Tanguay électronique, en première ligne. À tous, un bon lundi, bon début de semaine. Bienvenue à l'Esprit sportif. Dans l'émission, on parle d'abord de ce début de saison des Remparts de Québec. Il y a eu des hauts et également des bas. On y reviendra un peu plus tard, mais d'abord parlons de cette 20e saison des Remparts. Vendredi, une quarantaine d'anciens joueurs des Remparts étaient présents pour le match inaugural et on a même présenté sur écran géant une vidéo relatant ces 20 ans des Remparts. Gracieuseté de Carl Labrie, voici ce vidéo souvenir. Excessivement compétitif à Québec. Rookie coach named Wah, the Rampart reign of the Moncton Wildcats parade and win the MasterCard Memorial Cup. Here we are, don't turn away now. Que de bons souvenirs dans ce montage hommage 20e anniversaire des Remparts de Québec qui ont bien entamé vendredi cette 20e saison par une victoire de 3-0 face aux Saguenayens de Chicoutimi. Mais dimanche, lors de la deuxième rencontre, ça s'est gâté alors qu'ils ont subi la pire défaite depuis qu'ils sont au Centre Vidéotron, une défaite de 10-2 face aux Voltigeurs de Drummondville. Et ce matin, Philippe Boucher avait annulé la journée de congé et c'était place à l'entraînement ici, au pavillon de la jeunesse. La fin de passe à Rattel qui s'avance, le tir et le but! Pour Hachem en repli, mauvaise passe. Récupéré devant le filet, le tir et le but! Derrière le filet, belle passe à Hodgin. Revient devant le tir et le but! Les Voltigeurs atteignent la dizaine, c'est 10-2. Il
calibre d'après que ce qu'on a vu ce matin à l'entraînement. T'as vraiment pas aimé le match hier? Non, pas du tout. Puis, écoute, on a des choses à adresser, c'est certain. On n'a pas aimé l'effort surtout. Tu sais, le résultat, faut pas se concentrer sur le résultat. C'est sûr que quand on regarde sur papier, c'est pas beau non plus, là, mais c'est l'effort qui nous a chatouillés. Puis c'est ce qu'on les a demandé ce matin. C'est 40 minutes sans glace, c'est pas exagéré, c'est 35 minutes dans le gym. 1h15 d'effort, là, plus ou moins, là, aujourd'hui, là, c'est pas trop le demander. On va avoir une journée de congé plus tard dans la semaine, mais c'est, on a un message à passer, puis c'est ce que j'ai dit aux anciens. Ceux qui sont ici depuis un petit bout de temps, ils réalisent que ça n'a rien à voir avec ce qu'on a fait. C'est pas punitif aujourd'hui, c'est pour passer un message, c'est pour comprendre qu'il faut travailler, mais il n'y a pas... Ça a été difficile pour certains. Il y en a qui ont fait la pratique facilement, il y en a d'autres que ça a été plus difficile. C'est à eux autres de se poser des questions pourquoi 40 minutes de patin, c'est difficile. Alors, je suis autant que ça, c'est ce qui est décevant. Tu relâches contre une équipe que tout le monde arrive au centre Vidéotron prêt à jouer. Beaucoup de gars de la région de Québec qui jouent pour eux autres. Ils voulaient donner un bon spectacle, puis ils l'ont fait, que ce soit les Sévigny, Boisriboulé, Gagné. C'est les clubs arrivent si près. Oui, c'est normal qu'il y ait un petit relâchement, mais tu peux te ressaisir. On a eu nos chances. Tu peux avoir 10 minutes un petit peu plus difficile, mais tu te ressaisis, puis c'est ce qu'on n'a pas dégagé de faire. Dans l'enclave à Fanassief, le tir de but! Je pense qu'il y a juste Turk qui a bien joué hier. Il n'y a personne qui s'est présenté hier. Personne qui a travaillé fort, on était flat. Finalement, je ne peux pas trouver d'excuses. On n'était pas là, fait qu'on mérite ça en matin. Tu sais qu'on ne gagnera pas tout, mais si tu perds en travaillant fort, tu perds 3-2, 4-2. C'est des affaires qui peuvent arriver. On a une équipe jeune, 10-2 par exemple, c'est inacceptable. 10 buts, t'as encore dit en 5 games, d'habitude, pas une game. C'est un entraînement court, mais punitif, je veux dire. C'est assez intense, puis je pense qu'hier, on n'a pas payé le prix, fait qu'on a payé le prix ce matin. C'était important de passer le message ce matin, toi, tu es un vétéran, là. C'est surtout important de le passer, toi, en début de saison, quand ça arrive, là. C'est sûr que. Des performances comme hier, on ne peut pas laisser passer ça. Il faut corriger ça le plus vite possible afin que ça se repose du ski. Belle passe à Grasscamp. Ça mène dans leur clave, crée de l'espace. Le tir et le but! J'en souhaite pas trop comme celle-là, là, mais tu sais, les anciens sont venus dans la chambre l'autre jour, puis il y en a trop qui ont parlé. Puis, t'sais, Patrick parlait de la fierté de porter le chandail. Je pense que les gars le comprennent. Les gars sont fiers de le porter, mais ça se fait à tous les jours. C'est la fierté de porter le chandail dans une pratique ce matin où tu as à travailler fort pour t'améliorer individuellement. C'est ce qu'on demande. C'est le même discours que j'ai depuis le début. C'est on va améliorer nos joueurs individuellement et collectivement, jour après jour. Puis la fierté de porter le chandail, c'est partout. Là. C'est ici, dans l'aréna le matin, quand tu as pratiqué. C'est les journées de congé et de se reposer. C'est de le faire devant nos partisans, de le faire sur la route en Abitibi ou un peu partout. Puis je questionne pas ça aussitôt que ça dans la saison, pas du tout. Mais pour certains, c'est nouveau. Puis ils vont apprendre assez vite c'est quoi jouer à Québec. Après la pause, on délaisse le hockey pour parler de ski acrobatique. Parlons maintenant du Jamboree, dont la prochaine édition aura lieu du 9 au 12 février prochain. Édition 2017 qui fera place à 8 Coupes du monde en freestyle. Du côté du Big Air, et également du slopestyle, on est de retour à Stoneham. Vive le Jamboree, on passe en mode ski snowboard. Alors vraiment, c'est une première en 2017. Ça fait plusieurs années qu'on travaille sur le programme. On a déjà amené le ski le freestyle dans le Jamboree en démonstration depuis quelques années. C'était dans le but de promouvoir et de se pratiquer aussi, puis de démontrer au public que le ski s'en venait à l'intérieur du Jamboree. Alors c'est maintenant chose faite. Et on a des très bons athlètes qui s'annoncent, alors autant en snowboard qu'en ski. En quelques jours, on va livrer 8 Coupes du monde. Alors, si on décortique ça, le Big Air va être maintenant en ski et snowboard pour les hommes et les femmes, et le slopestyle également à Stoneham en ski et en snowboard pour les hommes et les femmes. Donc, un total de 8 Coupes du monde, donc 8 médailles d'or qui vont être décernées ici à Québec. On a déjà Sébastien Toutant qui a gagné en 2011. On a Max Barrow qui a gagné l'année dernière. On a Kim Lamarre qui est médaillée olympique. Laurie Blouin qui, elle, espère, qui fait les deux. Une petite Québécoise
qui va faire et le Big Air et le Slopestyle. Puis on retourne à Stoneham, on a toujours été très bien accueillis. Je suis vraiment content que Québec a la chance justement de faire une autre compétition de Slopestyle à Stoneham, une compétition ici d'échafaud de Big Air. C'est une chance unique aussi pour les skieurs d'avoir leur place aussi dans cette compétition-là. Pour moi, je veux dire, des compétitions au Québec, j'adore en faire parce que justement, tu peux compétitionner devant tes fans. Je viens d'ici. Je veux dire, les dernières années, j'ai pas eu la chance de pouvoir participer à l'événement parce qu'il y avait d'autres événements qui étaient en même temps. Ça a été une très belle compétition. Si je me trompe pas, Sébastien avait gagné en 2011 et puis il est jamais revenu ici. Moi, j'ai gagné l'année passée le Big Air et puis j'avais gagné le Slopestyle en 2014. Donc, ça a été une compétition très féroce. 25-year-old Kim Lamar. De venir performer ici, à Stoneham, devant tes proches, ça, c'est de la pression ou c'est motivant? Bien, c'est sûr que c'est motivant. C'est un peu une certaine petite pression, mais j'essaie d'avoir comme une pratique olympique parce que dans les prochains Jeux, je vais avoir une pression de plus vu que j'ai gagné une médaille à Sochi. Donc ici, en venant à Québec, je me dis bien, la petite pression de plus que je vais sentir, bien, il faut que j'apprenne à dealer avec, de la mettre de côté puis mettre tout le focus sur la performance. Donc, je vais l'avoir un peu comme une pratique olympique. C'est en fin de semaine que se déroulait une autre édition du Relais Extrême, un défi de course à pied longue distance à relais et en continu, jour et nuit. Plusieurs équipes de 4 à 6 coureurs pour la catégorie extrême et de 7 à 12 coureurs pour la catégorie régulière participaient à l'événement. Le parcours était divisé en 36 segments d'une moyenne de 8 km chacun. Le trajet d'environ 287 km traversait plusieurs municipalités de la MRC de la Côte-de-Beaupré, 9 municipalités de la MRC de la Jacques-Cartier et de la MRC de Portneuf. Plusieurs arrondissements de la ville de Québec étaient empruntés par les coureurs qui terminaient le défi au domaine Cataraqui. Voilà, c'est là-dessus que se termine l'esprit sportif pour ce début de semaine. On se donne rendez-vous demain. Bye-bye!